Alors, nous sommes là. On va là. Donc, c'est par là-bas. Ouais, sommet du Mont-Jouvet, Mont Blanc en face, en pourri. Chapelle, regarde, on doit aller à la chapelle là. Ouais, ah. Bah, la chapelle là-bas en face. Grande motte, grande casse. C'est vrai. Courchevel là-bas en face. Voilà. Et deux collègues, vous êtes à contre-jour. Voilà. On est arrivé à Champagny-le-Haut, l'heure elle avait passé. On a mis 2h45, gagné un petit peu de temps, mais voilà. Arrivé au refuge du Grand Bec, on sort les frontales et en direction Col de l'Échaud. Tracé compliqué, dans la neige un peu molle, avec recherche d'itinéraire. Allez, Col de l'Échaud, on met les crampons pour la petite traversée de névée compliquée là. En dessous, il y a Pralo. Donc lac des vaches, préparez-vous, on arrive. Hein. Hé hey Raph, ouais. T'es sûr qu'il faut monter au sommet de la Grande Casse pour faire le grand tour de la Tarentaise? Eh bah fais vite parce que il y a Guillaume et Jean-Cri qui nous attendent. Allez, vite au sommet de la Grande Casse. Nous sommes sauvés, on voit Valto. Ouais, allez, allez, parti, allez, bon courage, amusez-vous bien. Merci. Arrivé au lac Blanc. Bon, il y en a qui font des cols, nous c'est des lacs. Avant c'était le lac du Lot, maintenant c'est le lac Blanc. Voilà. Et donc, on va là-haut. Alors, dans la série des lacs, je vous demande Pierre Blanche. Et là, là où la masse, voilà, direct de Pierre Blanche, on doit être à 100 mètres de D+ à faire. Voilà, là au-dessus, un peu trop long, à basculer. À toutes. C'est la petite maison dans la prairie. Ouais. Au secours, il y a des femmes qui me courent après. Ah! Gaffe là, il y a du courant dans le trou. Ah, ça fait du bien. Ça fait pas du bien? Bon ben nous on est prêt à Valmorel. Et on est bien à Valmorel, hein. On n'est pas, on n'est pas à l'autre vallée. Donc apparemment ils sont là-haut. Voilà, ils arrivent. Ah ouais, c'est bon ils sont ici. Ouais, super. Bravo. Bravo. Allez, allez, allez.
Allez, on passe le relais. Et ça continue, c'est reparti. Allez Georges. Allez nous, on est à la fraîche. Voilà. Et on va... Ah, le style. Yes. Tranquille. Ça c'est fait. Bon, c'est pas grave, hein? On a perdu ton homme, c'est pas grave. Il est mort. Ouais, alors faut vous le dire, parce que Jean-Christophe est parti à la recherche des filles et c'est lui qui est perdu, il est parvenu. Bon, on l'a retrouvé, perdu, on n'a pas besoin d'appeler les secours, c'est bon, la radio, on l'a pas déclenché. Vous voyez, il est revenu. Ah bah oui, alors ouais, bah oui, on t'a vu la lampe. Alors Marco, c'est de sa faute si les filles ont un peu de retard. Ça va les filles, le service 3 étoiles? Hein? Ça va? Hein? Et voilà Daniel. Comme ça, en même temps que faire le GTT, on peut surveiller son troupeau. Ça va les gars? Eh bien là, hein. Eh bien, le GTT, hein. Ah. Ça, c'est de l'orage. C'est rien. Ça va bien, vite. Nous suivons trois coureurs habillés, mais qui courent sous un violent orage sur la R90-2 qui mène à Val d'Isère, entre les tunnels. On a espoir de voir du jour. Le barrage se remplit, les filles sont souriantes, Roger aussi, le saucisson et le beau-feu. Arrivée du relais 18, le relais le plus court de la GTT au final. Oh là 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 là. Jeannot, il va trop vite. Allez Roland, tu traînes. Ça va Jeannot? Je suis cuit. Mais non, on va y arriver. Cette fois, j'avais déjà fait à Olivier, dans l'Uberon. Il avait essayé de répondre. Oui, vas-y. Si ça fonctionne, j'arrivais pas à vous faire... You know it wasn't here.